Bonjour les beaux diamants et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mercredi 23 mai 2018. Alors, comme vous le constatez, nous avons la lune et donc ce sont des énergies pour aujourd'hui, des énergies lunaires, des énergies yin, des énergies féminines, des énergies justement où on vous invite à prendre soin de votre côté féminin, à voir s'il est bien équilibré, voilà, et qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller en ce sens, de développer ce côté féminin qui est en vous. C'est aussi beaucoup d'énergie qui parle d'émotions aujourd'hui, car la lune est liée aux émotions, à ce que l'on peut ressentir par rapport à une personne ou une situation en particulier. Donc ça se peut qu'il y ait des choses qui remontent à la surface, des émotions un peu plus prenantes peut-être. Ça se peut qu'il y ait justement un brassage d'émotions. C'est aussi le fait de se connecter à son intuition. La lune nous invite à écouter notre petite voix intérieure et à développer nos capacités extrasensorielles. La lune, c'est aussi tout ce qui concerne ce qui est caché. Donc peut-être vérifier si quelqu'un ne vous cache pas quelque chose, s'il y a des choses qui sont cachées de vous ou des choses que vous vous cachez à vous-même, que vous voilez, car c'est aussi la carte de l'illusion. Donc des fois, on se fait beaucoup de films et on projette des choses et pour finir, ce n'est qu'une illusion que l'on a projetée. C'est pas quelque chose de concret. Donc voilà, faire attention à cet aspect-là aussi. Donc voilà, ça englobe beaucoup de choses. La lune, donc ce n'est pas seulement une seule chose. Donc voilà, oui, c'est vraiment tout ce qui est au niveau de la sensibilité, de la perception des choses. Donc, c'est pas mal de choses comme vous avez pu le constater. Donc, moi, je vous souhaite une très belle journée lunaire. Faites bien attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, lumière!